Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons aborder aujourd'hui le crash qui a eu lieu hier entre Ouagadougou et Alger. Nous allons commencer par voir deux courtes vidéos. Les images météorologiques fournies par l'aéroport international de Ouagadougou offrent un ciel trouble. Selon les spécialistes, c'est un temps instable, dangereux du point de vue aéronautique. Pour le reste, voici la trajectoire de l'avion fournie par les radars de la Segna. Décollé à 1h17, il a changé de route peu après. Puis, il arrive ici où il veut dévier, sans succès. À ce moment-là, il était à 8000 mètres d'altitude, puis à 3000 mètres. Sa vitesse était à 800 km/h, puis à 400 km/h, puis rien. La zone orageuse qui se trouvait au-dessus du Mali au moment du crash s'étend sur des milliers de kilomètres du golfe de Guinée et le Sénégal jusqu'au Tchad. Un phénomène météo très fréquent cette saison. Ce sont des orages vraiment sur une ligne qui se forme avec la convergence des vents, des alizés qui se forment ici et qui donnent naissance à de gros cumulonimbus. Ce sont les nuages d'orage capables de mesurer des kilomètres de haut, plusieurs kilomètres de haut, parfois au-delà de 10 kilomètres. 10 kilomètres, c'est justement l'altitude à laquelle volent généralement les avions de ligne. Peu avant le crash, le pilote avait demandé à changer d'itinéraire, une procédure normale en cas d'intempérie. Aujourd'hui, nous allons voir El Watan, Ouagadougou, un crash des interrogations. Le Parisien. En direct, Air Algérie. 54 Français à bord selon un bilan définitif. Le Figaro. En direct, crash du vol d'Air Algérie, aucun survivant. Le crash a donc a eu lieu en territoire malien, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. 118 morts selon certaines sources, aucun survivant. 116 selon d'autres. Le plus curieux est que c'est le président français qui communique. Le président français et les services de la présidence française. Les Algériens viennent juste de commencer par communiquer à travers le ministre des Transports. Une communication dont on ne comprend presque rien, de toutes les façons. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, l'ex-commandant de bord, Benchennouf Abdelwahab, et une citoyenne algérienne, Souad de Bouzaria. Abdelwahab, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Alors. Alors, bonjour. Bonjour, Abdelwahab. Alors, bonjour, Jamal. J'aimerais comprendre une chose. Tout de suite, les gens se sont précipités pour dire « Ah, comme c'est une région de conflit, etc., c'est peut-être un missile ». Or, tout à l'heure, quand j'ai parlé avec vous, vous semblez exclure totalement cette éventualité. Exactement. Oui. Exactement. Alors, d'après vous, quelles sont les hypothèses plausibles? Oui. Alors, les missiles portables, SAM-6, portables depuis très longtemps, j'ai une documentation. Beaucoup de documentation dans ce sens-là. C'est exclu. Les portables, ils sont donnés théoriquement 3500 jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Ils peuvent toucher un avion militaire. Mais un avion civil de croisière, c'est impossible. Je reprends. S'ils veulent descendre un avion à 10 000 mètres, il leur faut des rampes de lancement, des missiles, des fusées plus puissantes, avec des radars guidés comme c'était au Vietnam, par exemple, à Hanoï, ils ont protégé Hanoï avec les mêmes missiles, ils ont abattu des avions américains à 10 000 mètres et même 12 000 mètres. Donc les terroristes, c'est exclu, ils peuvent pas avoir un radar et avec des rampes de lancement, avec des puissantes missiles, c'est fusées, c'est impensable. Alors, c'est exclu, définitivement. Alors, sinon, quelles sont les autres hypothèses que vous avancez? Voilà, je commence par deux choses graves. Soit une bombe transportée dans une valise
Il y a le désordre dans cet aéroport, il n'y a pas de contrôle. Il peut la régler avec un réveil. D'accord. Après le départ, s'il est sûr que l'avion parte à l'heure. Oui. Sinon, il y a un autre système avec un truc, un manomètre d'altitude. Dès que la pression diminue, il arrive par exemple à 5 km, l'avion explose. La bombe explose. Donc, il y a, un kamikaze à bord avec son kaba. Oui. Il peut la déclencher quand il veut. Donc, il y a l'hypothèse, soit d'une bombe au sol qui aurait été déposée parmi les bagages, soit un kamikaze. Ça, c'est une hypothèse. Et l'autre hypothèse. Une hypothèse. Et l'autre oui. hypothèse, celle. L'autre. Oui. Je connais très bien l'Afrique. J'ai 3500 heures de vol uniquement en Afrique. Niamey, Luanda et surtout la Guinée-Bissau. Le Mali est entouré par 8 ou 9 États. Il est frontalier à 9 États à peu près. La Mauritanie, l'Algérie, le Niger, Burkina Faso, la Guinée-Bissau. Il ne faut pas confondre la Guinée-Bissau avec la Guinée équatoriale qui est en bas, proche de l'équateur. Oui. Et le Sénégal. Donc, cette région, c'est une région très dangereuse. Nous, on passe, à l'époque, quand j'étais commandant de l'Algérie, on passe 2 mois par an oui. en Afrique, basé à Niamey. On faisait tous ces vols-là, Niamey, la Guinée-Bissau. À l'époque, c'était Louis Cabral qui était président de la République, juste au sud de Dakar, c'est-à-dire du Sénégal. Oui. Cette région, c'est vrai, surtout en ce moment, il y a des orages. Oui. Il y a des orages et des cellules orageuses l'une derrière l'autre. Moi, je dis l'erreur humaine. Oui. L'erreur humaine, comment? L'erreur humaine, c'est une décision erronée. Mais moi, je dis, à chaque fois, quand j'étais en Afrique, la seule chose qu'on contrôle à chaque fois, c'est moi qui contrôle, c'est le radar. Le radar, le radar qui... météo. Hein, le radar météo, il faut le contrôler absolument. Le radar qui Même se si trouve... Même s'il y a une chaîne sur 1000 km. 1000 km, ce sont comme des cheminées, un cheminée derrière l'autre. Ça veut dire que le radar se trouve... L'autre. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait oui. Il faut contourner les cellules orageuses. Ils sont donnés comment sur le radar? Ils sont donnés comme un halo brillant, un lion qui brille. Il brille, fortement brille, comme une pièce d'argent. D'accord. Et on passe sur compteur, on le voit noir. Un point noir au centre qui clignote, il augmente, il diminue. Attention, c'est une cellule orageuse capable de mettre en péril n'importe quelle structure d'avion militaire ou civil dans le monde. Il n'y a aucun milieu, parce qu'il y a des mouvements ascendants rapides et des mouvements descendants, avec des blocs de glace même jusqu'à 50 kilos. Une puissance infernale. Donc le commandant de l'avion, il a quitté Ouagadougou. Il pénètre, il rapproche, il était pratiquement parallèle avec la frontière du Niger. Quand il arrive à Gao, ou la région de Gao, devant lui, s'il a un problème technique, je parle technique, un problème technique à côté, il y a Bamako, c'est tout près, Bamako, oui. où il fait demi-tour, où il peut, s'il pénètre en Algérie, il a un seul aéroport, c'est un seul devant lui, un peu Tamras, c'est un peu plus au nord, oui. à l'est. Oui. Alors donc, je dis... L'erreur humaine, le pilote est obligé de suivre, de prendre le radar en conscience. Son radar, il fonctionne très bien, il ne peut pas y avoir du tout, d'accident. Parce qu'il y a un bon radar, on contourne. Mais Abdelwahab, est-ce que il est possible, est-ce qu'il est pensable qu'un commandant de bord puisse décoller sans contrôler son radar? Ah, moi, je l'ai toujours fait en Afrique. En Afrique, ça, c'est impardonnable. Impardonnable, il faut le faire. Moi, mais ça peut arriver... Je peux pas décoller en ce moment-là. Ça peut arriver que des commandants de bord ne le fassent pas? Il y a des commandants de bord. Moi, j'ai 360 enquêtes vidéo, 1 heure et demie de vidéo, c'est-à-dire les enquêteurs aux États-Unis, c'est le NTSB. C'est le bureau d'études et d'accidents. Oui. Alors, il y a des commandants de bord qui ont décollé en état d'ivresse. Il y a des commandants de bord qui ont décollé, qui n'ont pas dormi toute la nuit dans les enceintes. Il y a des commandants de bord qui ont des problèmes et n'ont pas dormi. Tout ça, c'est des accidents d'avion. Moi, j'ai plus de 360 accidents dans ce genre-là. Abdelwahab, quand il comprend...
Oui. Abdouhab, qu'est-ce qui se passe lorsque cet appareil est entré dans le cumulonimbus? Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit des blocs de glace? Ah, le DC-9, c'est vrai, j'avais des problèmes avant avec la glace à l'Alaska. Oui. Avant de décoller, il y a une couche de glace, de neige qui sur les ailes. Après le décollage, ils ont fait beaucoup d'accidents. Ils ont fait beaucoup d'accidents. Il y a un qui est tombé dans une rivière juste à côté, il a heurté le pont, 154 morts, c'est un décennat. Et un autre, à une altitude trop altitude, les volets sont coincés, il a fait un accident parce que c'est la glace, mais c'est pas le cas en Afrique. En C'est Afrique, il pas n'y a le cas pas en Afrique. Mais dans les Non, ce n'est pas le cas. mais dans le cumulonimbus, il y a de gros blocs de glace, vous nous avez dit, qui peuvent atteindre 50 kilos. Le cumulonimbus, il faut l'éviter par tous les moyens. Même un avion solide, les avions solides des États-Unis ne peuvent pas pénétrer là-dedans. Quand un avion pénètre là-dedans, surtout un avion de ligne, et il est pulvérisé, il est disloqué complètement. Il est disloqué complètement, comme une bombe. Parce que c'est... Restez avec nous, Abdelwahab. On revient vers vous dans quelques instants. Souad de Bouzerria. Oui, bonjour. Bonjour Souad, merci de nous avoir rejoints. Alors, moi, c'est la question que je C'est voudrais vous gentil de votre poser, part. la question que je voudrais vous poser en tant que citoyenne algérienne, et que cet avion est sous souveraineté algérienne, c'est un avion de la compagnie Air Algérie, même s'il a été affrété auprès d'une autre compagnie, Swift Air en l'occurrence. Or, qu'est-ce qu'on a vu hier et aujourd'hui? C'est le président de la République française qui communique au sujet de cet accident. Le fait qu'il y ait beaucoup de victimes françaises ne lui en donne pas le droit pour autant de se substituer aux autorités algériennes et aux autorités maliennes où s'est déroulé l'accident. Qu'est-ce que vous pensez de cette une autre énième absence du président de la République algérienne qui ne s'exprime jamais, même dans des cas comme celui-ci? Eh ben, à mon avis, tout d'abord, bonjour à vous tous. À Bonjour. mon avis, le président français n'a aucun droit d'intervenir. Je pense que l'avion appartient à Air Algérie. Donc, c'est l'Algérie qui doit prendre responsable de l'enquête et de voir la situation, comment l'avion a pu avoir un accident et comment ça est arrivé. Pour moi, la France, je vais vous dire en toute franchise, je ne sais pas si c'est la France qui tient toujours sur l'Algérie ou bien elle a quelque chose depuis longtemps que l'Algérien ou les Algériens ne savent pas. C'est parce que ce que je vois, ce que j'ai vu, donc François Hollande a le droit d'intervenir, de faire tout ce qu'il veut, et notre président Abdelaziz Bouteflika ne fait rien du tout, soit le gouvernement algérien, soit je sais pas. Donc, je suis vraiment. D'accord. Donc, vous pensez un peu comme tout le monde que le C'est un président droit est... à l'Algérie de faire l'enquête, c'est pas le Voilà. président François Eh ben, Mitterrand. François... Je sais qu'ils ont des citoyens français dans l'avion, d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais l'Algérie doit faire l'enquête, pas le président français. Eh bien, ce n'est pas le cas, et le président français a vraisemblablement tous les droits quand il est question de l'Algérie. C'est lui qui est en train de communiquer, ce sont ses services, ce sont des gendarmes français qui sont rendus au Mali pour enquêter. Donc L'opération pour moi, est... Voilà. pour moi, je vois que c'est un douche. Donc il y a quelque chose de plus important dans cet avion-là. Si les Français s'interviennent, donc il y a quelque chose Non, de je ne plus pense important à pas, je ne juger pense pas, dans c'est cette juste, affaire. je pense que c'est juste une opération de com' pour montrer le président français comme quoi il s'occupe de ses citoyens, quand il est question de ses citoyens, il se met au devant de la scène, il intervient personnellement, il n'attend pas qu'on lui donne l'autorisation, et Bien sûr, parce en que même son mandat, temps... bien sûr, il fait ça parce que son mandat va bientôt terminer, Voilà, et en c'est tout à même fait temps, il normal. méprise un peu...
ces Algériens qui sont trop lents à la détente, qui ne savent pas ce qui se passe. Il y a même, je vais vous raconter, il y a une vidéo qui a circulé tout à l'heure sur YouTube, sur le site Chauffe Chauffe, où un Algérien, il y a 2 jours, a fait une vidéo pour se plaindre au sujet de ce même avion où il a été embarqué, ou d'un avion similaire qui a été affrété par Air Algérie. Et il a dit, alors vous voulez nous tuer? Vous voulez nous embarquer dans une pareille ferraille, c'est pour nous tuer? Et la vidéo est passée sur Facebook, sur YouTube. Elle était sur le site Chauffe Chauffe. Elle a été retirée tout à l'heure. C'est vous dire. Mais Souhaed, en tout cas, merci pour votre intervention. En espérant vous retrouver bientôt parmi nous. Abdelouab, je retourne à vous. Abdelouab. Oui. Alors, oui. Abdelouab, cette compagnie, la oui. Swift Air, auprès de laquelle Air Algérie a affrété cet avion, est-ce que vous la connaissez? Non, mais je connais la machine, c'est-à-dire le DC-9, c'est un avion fiable, c'est un très bon avion américain. Oui. Swissair, il a équipé sa flotte avec les DC-9, c'est connu, même la c'est pas Swissair, Abdelouab. C'est solide. Abdelouab, oui. Ce n'est pas Swissair, oui. C'est Swift Air. Oui. Swift Air. Oui. Non, pour moi, il est fiable parce qu'il a fait un contrôle déjà à Marseille. Ah. Il a été vérifié dernièrement par les services français, il n'y a même pas 2 jours. D'accord. Ils ont vu qu'il manquait uniquement les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, ils s'arrêtent. Avec les reverses, ils s'arrêtent. C'est-à-dire, ils renvoient le G, le contraire, ils peuvent freiner avec les moteurs, sans problème. D'accord. Mais le reste, c'est OK. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, même le radar dont vous nous avez parlé tout à l'heure, est OK, donc, s'il y a eu contrôle. Ah, le radar n'a rien à voir avec la... Attention, le radar n'a rien à voir avec la visite ah. de 100 heures ou de 500 heures. N'a rien à voir. Parce qu'il y a un service qui s'appelle Veritas. C'est lui qui contrôle tout ça. Ah. C'est les Français qui contrôlent chez eux. Ah, donc, c'est le radar. Ah. Oui, oui. Le radar, ils peuvent le contrôler, mais c'est au commandant de bord de voir son radar s'il fonctionne. Si le radar ne fonctionne pas, c'est l'enfer, il va mourir. Donc je retiens... que le contrôle qui a eu lieu il y a 2 jours à Marseille sur cet appareil aurait très bien pu ne pas contrôler le radar. Ah, il ne le voit même pas. Il voit la mécanique, les réacteurs, l'hydraulique, tout ça. Le radar, c'est des accessoires de la télécommunication, ce qu'on appelle pour la télécommunication, les VHF et tout ça. Ils peuvent contrôler sur place les services de l'atelier, ils peuvent les contrôler, mais c'est au commandant de bord lui-même de vérifier son radar avant le départ. Ah, très bien, très bien. Alors une question subsidiaire en quelque sorte, mais pour nous éclairer, on profite de votre présence parmi nous. Comment se passe l'entretien des appareils d'Air Algérie? Comment se passe l'entretien de la flottille d'Air Algérie? Est-ce qu'il y a un bon entretien? Est-ce qu'il y a un bon personnel d'entretien? Est-ce que les avions sont régulièrement contrôlés? Est-ce qu'ils ne sont pas trop vieux? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a une vraie organisation? Est-ce qu'il y a un vrai soutien technique des experts, des techniciens, des organismes internationaux qui viennent apporter assistance, etc., etc.? Air Algérie était équipée de très bons techniciens, de très bons ingénieurs. Ils ont même un oscilloscope pour vérifier, même avec par radio, les petites fissures des cellules invisibles à l'œil nu et à la loupe. Ils décomptent tout ça. Ils font toute la mécanique, mais quelqu'un qui surveille de l'extérieur, c'est Veritas. C'est lui qui donne son feu vert. S'il n'y a pas le cachet de Veritas, ils ne peuvent pas voler les avions. Oui. C'est une organisation qui dépend de l'extérieur, n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est un contrôleur, c'est un inspecteur. D'accord. Qui se trouve partout dans le monde entier. Et donc, on ne peut pas dire que il y a des négligences au niveau de l'entretien des appareils d'Air Algérie. Ah non, il n'y avait pas de... À l'époque, non. Non, on ne parlait pas de l'époque. On ne parle pas de l'époque, on parle de maintenant.
Maintenant, je ne suis plus en contact depuis 2003, j'ai quitté, je suis à Kais. Donc, je ne sais pas, les anciens mécaniciens, ils sont plus rapides que les Français, je peux le dire. On a changé un réacteur après 3 heures de temps. Chez les Français, ils vous demandent 24 heures. Ce sont des gens qui travaillent vite et travaillent sûrement. C'est des bons techniciens. Maintenant, le temps a changé. Oui. Et je vais vous dire une chose, il faut le mettre en tête une fois pour toutes. Les anciens avions, par exemple, de 1980, 81, 82, c'était des Boeing 737-200, 727, ils sont plus fiables que les récents, les derniers nés, là, ce qu'ils appellent. Ils ont un équipement électronique sophistiqué, mais quand il y a une petite panne, par exemple, des pitots, il y a un Airbus 380, le dernier né, en direction de l'Australie, il a perdu le pitot, je ne sais pas quoi. Et la vitesse est au maximum, il lui demande attention, il faut accélérer. Quand la vitesse l'avion va décrocher, il lui dit il faut décrocher encore. Alors c'est informatisé, l'informatique, le pilote ne peut pas suivre tout, Mais chez nous, était clair et net. Avec un 727 à l'époque, 37, avec un bon radar, il peut aller n'importe où, avec même les cellules orageuses, il y a un radar pour les contourner. La première fois où j'ai affronté un cumulonimbus, des cellules orageuses importantes, 45 km d'altitude, au-dessus de Franceville, avec un radar, on le voyait surtout de nuit, à 300 km, on le voit. À 300 km. Mais avec le radar, on contourne, il ne faut pas s'approcher du tout. Ils peuvent mettre en péril n'importe quelle structure d'avion. Alors, Par exemple, Air Algérie, ils ont perdu un avion au mois de décembre 1969. Moi, je suis venu d'Oran vers Alger, d'ici le radio partout en Méditerranée. Ils envoient un avion sans radar, il a été pulvérisé, disloqué, ils ne l'ont pas trouvé jusqu'à demain. Voilà. Alors, on profite de votre absence, et il ne nous reste plus beaucoup de temps, à peine 5 minutes. On a trouvé la boîte noire. Ils ont annoncé que la boîte noire a été trouvée. Alors, expliquez-nous ce qu'est une boîte noire et qu'est-ce qu'ils vont y trouver. Il y a, en réalité, la boîte noire, ça s'appelle Flight Recorder. Ce n'est pas noir, il est orange. Ça brille. Et orange pour détecter, par exemple, un avion qui fait un amérissage, on peut le trouver facilement. Il brille, il est orange. D'accord. C'est un indicateur de premier ordre. C'est-à-dire, dès qu'on met en route les moteurs, il donne la pression d'huile, le carburant, tout est normal, l'électricité, tout, la montée, la descente, il donne tout. C'est comme il était pilote avec nous. Et il y a une erreur de pilotage, il est détecté là-bas. Est-ce qu'il enregistre les conversations des pilotes avec les tours de contrôle, etc.? Non, ça c'est à l'extérieur de l'avion, c'est dans la cellule. Mais au poste de pilotage, on a un enregistreur phonique. C'est-à-dire, il enregistre ce qu'on dit, ce qu'on parle, on discute par le moment. Nous, on plaisante, on dit des mots comme ça, on plaisante. Il prend l'enregistrement pendant 30 minutes, tac, il revient, il faut prendre 30 minutes, à chaque 30 minutes, il efface tout, il revient à zéro. Là, oui, il peut enregistrer la communication entre la tour et nous. Et donc, il peut même les alarmes, quand il y a une alarme, il la détecte, on l'entend, pip, et c'est enregistré. Ça fait deux choses, phonique et flight recorder, à part ce que vous appelez la boîte noire, alors il est orange. Il y a un autre système avec le DC-9 là. Il a un autre émetteur détectable de détresse. Il est détectable par les satellites Pléiade. Pléiade, les satellites, il est détecté. D'accord. Il peut trouver où il se trouve. Même avec un grand choc, même avec une température élevée, il le détecte facilement. Ils ne l'ont pas détecté, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, s'il est question de négligence, d'erreur humaine ou de défaillance du radar, dont vous nous avez parlé, donc ça va se savoir dans la boîte noire, dans le détecteur, le flighter détecteur. Non, le flighter détecteur, le radar, c'est le commandant de bord. Je dis erreur humaine, le commandant de bord voit au radar une cellule orageuse, il doit la contourner. Je me suis mal expliqué. Ça veut dire, dans la boîte noire, maintenant, quand ils vont l'ouvrir, ils vont savoir si le commandant de bord a été coupable d'une erreur humaine ou si le radar ne fonctionnait pas.
Ah non, on n'a rien à voir avec ça. C'est tout ce qui concerne la technique, l'avion, les moteurs, tout ça, la vitesse, la montée, tout ça, il est détectable. C'est un indicateur de parfait. Mais le radar n'a rien à voir avec ça. Le commandant de bord, s'il n'a pas de radar, c'est très grave. Parce qu'il sait, maintenant, il y a des orages, des cellules sur 1000, jusqu'à 2000 kilomètres. Jusqu'à 2000 kilomètres, c'est une cellule orageuse, l'une derrière l'autre. Et il peut arriver qu'un avion, il peut arriver qu'un avion n'ait pas de radar? Il ne peut pas voler, c'est impensable. Et excuse, pourquoi? On ne peut pas voler en dessous d'une cellule orageuse, oui. Ni au-dessus. Oui. Au-dessus, c'est impossible d'arriver en Afrique, impossible. Aucun avion, même les avions les plus... Les avions militaires FA-22 Raptor, ils montent, sa vitesse de montée, il est presque à 1200 km/h, la vitesse du son. Il ne peut pas arriver au sommet de l'enclume de l'orage de Cumulonimbus, il ne l'arrivera jamais. 45 km d'altitude en Afrique. Abdelouah Bechnouf, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Notre émission est arrivée à sa fin. Vous avez été très clair, nous avons très bien compris. J'espère que les téléspectateurs aussi. En espérant vous revoir bientôt parmi nous. Merci, au revoir. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, sahaf torkum. We'll be right back.